Bonjour, je m'appelle Nina, je suis en secondaire 1 à l'école PGLO. Aujourd'hui, je vous présente un livre que j'ai beaucoup aimé, Le facteur de l'espace. Le facteur de l'espace a été écrit et illustré par Guillaume Perrault. Le livre a été publié par La Pastèque en 2016 et il compte 144 pages. C'est un roman graphique d'aventure. Guillaume Perrault est né en 1985 à Rimouski. Il a étudié le graphisme, mais sa passion est l'illustration. Depuis 2008, il a reçu plus de 15 prix, dont le prix du gouverneur général en 2020. C'est l'histoire de Bob qui aime bien sa petite routine de facteur. Il distribue des lettres et des colis dans la partie de la galaxie qu'il connaît. Mais un jour, il arrive au bureau et son patron lui annonce une mauvaise nouvelle, qui l'amène à l'aventure et découvrir des nouvelles planètes. Sera-t-il capable de sortir de sa zone de confort? J'ai aimé ce livre pour deux raisons principales. Premièrement, j'ai aimé le style d'illustration très graphique et minimaliste, avec des couleurs pastel. Et deuxièmement, j'ai aimé le fait qu'il y ait plusieurs références à des histoires connues, comme celle du Petit Prince, où le prince demande au facteur de dessiner un mouton. Je recommande ce livre aux jeunes en fin de parcours primaire et ceux qui aiment les romans graphiques. Merci de m'avoir écouté et bonne lecture!